Bonjour, aujourd'hui je vais faire des glaces à la mangue. Alors moi je vais m'assorbetière, faut que je congèle ça au moins 12 heures. Voilà, c'est au congèle. Maintenant il faut deux mangues qu'on épluche et qu'on rince. On les découpe en tranches. On jette les noyaux. Maintenant, avec un éminceur, on va les hacher grossièrement. Voilà, c'est quand même assez fin, hein. Puis, dans un sac congèle à plat pour qu'on puisse les séparer. Le lendemain, avec les mains ou en tapant dessus, on défait les blocs de mangue pour qu'ils soient petits, qu'ils passent au mixeur à soupe. Puis on met les mangues dans un saladier. On y met aussi du lait concentré non sucré, 410 grammes. Puis avec le mixeur à soupe, on mixe. En même temps qu'on mixe, on goûte et on ajoute des sucrètes. Quand c'est bien mixé, bon, ça fait de la purée, mais c'est normal, c'est déjà presque de la glace. Et qu'il y a assez de sucrète. On le met dans la sorbetière. Après avoir tourné, quand ça déborde, on se sert. On attend que ça redéborde pour se resservir. Plus on fera ça, plus la glace sera remplie d'air. Et on relance. Voilà, c'est bon. Vous pouvez en manger maintenant. Si vous ne mangez pas tout, on prend des cuillères café en bambou qu'on place dans un moule. Regardez-moi, j'ai trouvé celui-là. Voilà. J'ai fait des trous pour les bâtons. On remplit une pétale et on replace la cuillère à café en bambou, on la place au milieu de la hauteur, puis on réécrase. Et voilà, on les fait toutes. Et voilà, maintenant on le filme et au congèle le plus à plat possible. Le lendemain, vous les démoulez, vous les mettez dans un sac congèle à part, fermé. Voilà, ça ressemble à ça. Bon, ça déborde un peu, c'est pas très joli. Alors, vous pouvez faire ça avec n'importe quel fruit. Et voilà, bon appétit!